Mademoiselle. Je t'ai fait peur? Non, non, ça va. Et vous, ça va? Bon, visiblement, vous n'avez rien de cassé. Allez-y, marchez. Marchez. Ça va, hein. Pas de vertige, pas de nausée. Voilà, je suis morte. Tu m'amènes où? Aux urgences. Je peux pas. Tu m'accompagnes quelque part? Vous avez tort, une hémorragie interne est toujours possible. Ok, c'est où ton quelque part? Je te montrerai, c'est pas loin. Pourquoi on s'arrête là? Une urgence. Car nous sommes toujours en compagnie de la très belle Jules, qui chante depuis plus de 2 heures devant un public en délire sur 109.3, en direct du Yellow Club. Oui, Rebecca? Ouais, c'est génial, ce qu'elle fait bien au punch, voilà. Bonne soirée. Tu aimes? C'était grave. À un quart d'heure de plus et il mourait de faim, c'était pénible à voir. En fait, je livre des couscous, tu vois? Je suis pas médecin. Je suis convoi humanitaire. Non, non. 6e année de médecine. Le couscous, c'est pour bouffer. Origami? Tu aimes? Oui, beaucoup. Oui. C'est très joli. C'est là. Hé, hey, attends. Si t'as un problème, un malaise, n'importe quoi, tu m'appelles, t'hésites pas. En fait, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Rebecca.
C'est à côté. Quoi de neuf, docteur? Thomas? Je suis venue te dire que tout allait bien. Depuis l'accident, enfin, depuis tout à l'heure, t'as pas eu de malaise? C'est une radiographie de la tête. Faut que je prenne une douche. Une douche, oui, bien sûr. Ferme pas plus. Prends la serviette bleue, elle est propre. Ça va? Pas de malaise? Pas de nausée? Encore? Thé ou café? Mescal. Et merde. Allô? C'est moi. Tu travailles bien, ça avance? Oui, oui. Je voulais juste t'embrasser. Moi, j'ai assez travaillé pour ce soir. Au fait, t'as pu t'arranger pour demain? Quoi? Oh, tu m'écoutes, Tom? Tu te souviens qu'on doit aller déjeuner chez mes parents demain? Tu travailles avec la musique, maintenant? Non, non, rien, c'est les voisins. Mais pour dimanche, j'ai pas pu m'arranger. Alimi a besoin de moi, et moi j'ai besoin de fric. J'ai un loyer à payer, moi. J'ai même pas fait 3000 balles depuis le début du mois. Ok, je te laisse travailler, monsieur le self-made man. Au fait, tu pourras me prêter tes cours sur la médecine d'urgence? Il me manque des infos. Oui, oui, pas de problème. On se voit dans la semaine. Je t'embrasse. Ciao. Ok, ciao, Tom. Tu l'aimes? Qui? Ma robe. Beaucoup. Si tu as besoin d'argent, je peux t'en donner? Non, non, ça va, merci, je t'assure. Hé! Hey, tu sais où tu vas? Non, et toi? Merci. Ciao, Patrick. Salut, les gars. Oui, madame, dans la demi-heure chez vous, sans problème. Bonne journée. Où vas-tu? À Neuilly. Il n'y a rien d'autre? Rien d'autre. Tu pars, tu me reviens vite. Demain, midi 28. Son père. Salut. Bravo. Dis-moi, le couscous, c'est bon pour les artères, il paraît? Ça, je sais pas, monsieur Alimi, mais votre couscous, il devrait être remboursé par la sécu. Pas une mauvaise idée. Salut, mon petit. À demain. Bonne journée. Oui, allô, couscous, bonjour. Jungle.
qu'il y a? C'est quoi? Un cœur. Tiens, regarde. Tu as de l'argent? Oui, oui, j'en ai plein les poches. Écoute, je t'ai déjà dit que j'avais pas besoin d'argent. Il me faut 3000 francs. Quoi? Il me les faut, sinon je pourrais plus te revoir. T'en fais pas. Bonjour, vous êtes bien chez Thomas Bello, vous pouvez me laisser un message. Merci. Oui, Bello, c'est Jaffé, Avec du car. 19 euros, il faudrait que tu me rappelles. Allô? Oui, bonjour monsieur, un instant. Rebecca! Rien à dire. Non mais regarde-moi cette merveille. Sur une poubelle qu'elle était. Je l'ai ranimée. Elle vit. Son cœur métallique bat. Cristallin. Pur bijou. Tu vois tous ces petits trous? Écoute-moi ce cliquetis. Il n'y en a pas une qui tourne à la même vitesse. La plus petite là, c'est ma préférée. C'est la seconde. Putain, c'est lourd, ça tourne en rond comme un fauve dans l'arène, ça se mord la queue, mais une seconde. Ça fait 8 jours qu'elle a disparu, j'ai aucune nouvelle, et toi tu me parles de ferraille. Imagine que le temps s'échappe du cercle, qu'on te crève ton horloge interne, qu'on t'ouvre en deux et qu'on regarde dedans. Et voilà la seconde qui bondit, qui se barre et qui va faire la noce. Tes minutes deviennent des heures deviennent des jours, ça tourne plus, ça s'agite. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu viens voir ton ami Alex pour lui demander l'heure? Tu lui as donné combien? Elle m'a redemandé 3000 francs. Presque mesquin. Putain, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Elle arrête le temps, ton temps, et elle t'entraîne dans le sien. Elle te fait sortir du cadran, une sacrée syncope hein, dans ta petite musique. Tiendra, tiendra pas. Et Flo, elle va bien? Ta gueule. Merde, Alex. T'inquiète. Elle reviendra jouer ta Rebecca, hein. Excuse-moi, Flo.
C'est pour le couscous. Ça te plaît? C'est chez toi ici. Tu aimerais? Pourquoi tu m'as pas appelé? Qu'est-ce que t'as fait tout ce temps? Je t'ai aimé. Tout le temps. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Non mais ça va pas! T'es malade! Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Il m'aurait rien fait! Ouais, c'est ça. Il voulait juste un petit câlin. Thomas. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites là? T'as pas le droit de tout foutre en l'air. Fais-moi un enfant. Casse-toi, dégage! Il me faut 3000 francs. Bon, écoute, Rebecca, c'est terminé. Hein? Va-t'en, va-t'en! Allô? Thomas?
Comment je sais que c'est toi? Parle. Thomas? Allô? Allô? Oui, le service neuro, s'il vous plaît. Allô, Madeleine? Oui, c'est Bello. Hakun a commencé les visites. Merde, j'arrive. Sûr du mécanisme? J'ai pris soin de ces aiguilles chaque seconde qui a passé depuis que j'en ai fait l'acquisition en 1903. 1903, tu l'as tiré à mon grand-père le jour de ses fiançailles, non? Bon, allez, d'accord, 4000. Top là. 5 et top là. 4005. Allez. En liquide, hein? Eh oui, bien sûr. Thomas? Et si t'as d'autres trucs à me refiler, t'hésites pas, hein. Tu connais l'adresse, hein. Soigner pour une passion, c'est déjà idiot, mais placer son fric dans la passion d'un ami, c'est vraiment l'investissement le plus con qu'on puisse imaginer. Tiens, je veux la voir. Quoi? Mais je veux voir la personne en qui nous investissons tant. Écoute, ça va, t'inquiète. Ton horloge, je te la rachète dans une semaine, ok? Attends, je m'inquiète pas, je suis curieux, c'est tout. Oui, trop. Et trop bavard aussi. T'avais besoin d'aller raconter ma vie à Flo? Attends, elle m'a téléphoné, elle était en larmes. Et puis, ta vie, comme tu dis, c'est peut-être aussi un peu la sienne. Tu crois pas? Rebecca, ouvre. C'est OK pour le fric. Comme toi. Mescal. La même chose, s'il vous plaît. T'as envie de chanter? Et moi? Tu veux que je chante? Samajman. Oh, Samaj Sayan. Koljane Palki. Yeah, yeah, samam. Yeah, 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 samam. Kul til kalkami, kul jane palki, kabar nain, is jackman palki. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'on se voit!
calmer, oui. Ta gueule! Qu'est-ce qui te prend de te foutre à poil devant tout le monde? Vas-y, parle. Je t'aime. Ah ouais, ça je sais. Ouais. Tu vois, j'ai tout balancé pour toi. Ma vie, mes études. Et le fric, là, que je dois à tout le monde. Putain, t'es cinglé, hein. T'es une malade. Tu m'aimes. Aime-moi. Tu fais chier. Allô? Monsieur Halimi? Oui, bonsoir, c'est Thomas. Oui, je voulais vous demander, est-ce que je peux travailler tous les soirs? Non, j'ai plus de conférences. Je suis libre tous les soirs. Le mardi et le jeudi, oui. Oui, pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Halimi. Au revoir. Pourquoi elle me dit rien? Rien, je sais rien d'elle. Tu vois ton oiseau, là, au moins? Ben, il revient à heure fixe. Ça, c'est moins fatigant. On peut faire autre chose. Et ma pendule, elle revient quand? C'est pas ça. Ah, c'est vraiment digne d'un ami. Merci. Putain! Qu'est-ce qu'elle fout avec ce fric? Va savoir, peut-être qu'elle a une nichée à nourrir quelque part. À moins que ce soit toi qui lui a appris la valeur de ce papier-là. Thomas, en fait, elle te parle. Elle te parle tout le temps, mais de toi. Pourquoi tu dis ça? Arrête de tourner comme ça, tu me files le tournis. Mouvement perpétuel. Hé, hey, tu dois être content. Dans 10 minutes, j'attrape ton piaf et je lui tords le cou. Thomas. Je t'en demanderai plus jamais. Mais il faut. Il faut que ça s'arrête, oui. Dernière fois, Thomas. Il faut. Il faut, Thomas. Il faut. Il faut. Il faut, Thomas. Rebecca? Qui est-ce? Police, ouvrez! Vous êtes bien Thomas Bello? Oui. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous la connaissez depuis longtemps? Non. Adresse inconnue. On n'a rien trouvé sur elle. Allô, Alex. Elle est morte.
Elle arrête le temps. Ton temps. Moi, c'est Rebecca. Elle t'entraîne dans le sien. Il me faut 3000 francs. Qu'est-ce qu'elle fout avec ce franc? Elle te parle tout le temps, mais de toi. Fais-moi un enfant. T'es une cinglée, hein. T'es malade. Je t'ai aimé tout le temps. Aime-moi. Majmam, O Samaj Sayan, Koljane Palki, Yeya Samam, Yeya Samam, Kultil Kalkami, Koljane Palki. Kabarnain is Jackman Palki. Yeah, yeah, Samam. Yeah.